Bonjour à tous. Alors, y a-t-il quelqu'un? Allô, allô? Aujourd'hui, vous savez que je vais vous raconter Otis, le petit chat. Alors, cette histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois aux enfants, ils aiment beaucoup. Il n'y a toujours personne en direct, j'attends un petit instant. J'espère que vous allez bien. Que vous supportez ces conditions difficiles, mais on arrive au bout. Moi, j'ai du mal à supporter en étant toute seule avec mes deux chiens. C'est très, très, très pénible. Ça fait bientôt 2 mois que ça dure. Donc, il est temps que ça se termine. Vous savez, ce qui me manque, c'est de discuter en direct avec quelqu'un. C'est le contact humain qui me manque. Alors, ce petit rendez-vous me fait plaisir. Bonjour, ce petit rendez-vous me fait plaisir et me fait du bien. C'est comme si j'étais au milieu de vous. Alors, on va raconter Otis. Petit réglage, comme à chaque fois. Hop. Voilà, je sais pas trop si c'est qu'on voit bien tout l'écran. Voilà. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Non, on voit pas tout. Je vais tirer un petit peu en arrière. Voilà. Otis le petit chat. Je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Otis. Je suis un chat tigré. On dit aussi que je suis un chat de gouttière. Je suis le dernier né d'une portée de 3 chatons. Ma maman s'est cachée dans une cave pour nous mettre au monde, mes frères, mes sœurs et moi. Elle n'avait pas de maître, personne pour s'occuper d'elle, la nourrir, la caresser, l'aimer. Les gens vivant dans cette maison nous ont trouvés. C'est normal, ils ont entendu des petits cris. Mais ils n'aimaient pas les animaux. Alors ils nous ont chassés de chez eux. Moi, Otis, je me suis sauvée et je suis entrée dans un jardin un peu plus loin. J'étais tout petit, pas encore sevré. Cela veut dire que je tétais encore ma mère. La petite fille de la maison, qui s'appelait Célia, aimait beaucoup les chats. Quand elle m'aperçut, elle me prit dans ses bras. Une belle histoire allait commencer entre elle et moi. J'étais sale, couvert de puces. Alors Célia me fit un bon bain. On dit que les chats n'aiment pas l'eau. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai trouvé ça très agréable. Ensuite, Célia a cherché dans ses jouets un biberon de poupée et j'ai eu mon lait au biberon dans ses bras. Elle a bien remplacé ma maman et je me suis mise à beaucoup l'aimer. Je dormais sur son lit. Je la laissais me porter, me caresser et faire de moi tout ce qu'elle voulait, comme un jouet, mais elle prenait soin de moi et ne me faisait jamais mal. J'allais en vacances avec ma petite maîtresse. J'ai grandi heureux. J'acceptais le harnais et je marchais en laisse. Ce n'est pas évident pour un chat. J'ai oublié de vous dire que dans cette maison se trouvait un chien nommé Fidèle. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Un jour que nous étions en vacances, j'ai fait une fugue. Tu sais ce que c'est qu'une fugue? Eh bien, j'ai voulu ma liberté. Je me suis sauvée et quand on m'appelait, je refusais de revenir. Quelle idée! Puis le week-end s'est terminé. Ma maîtresse est partie sans moi, bien malgré elle. Il fallait rentrer pour son travail le lendemain.
et Célia devaient aller à l'école. Moi, j'étais content au début, mais rapidement, j'ai commencé à avoir faim et peur. Tout seul quand la nuit arriva, il faisait noir et j'avais froid. Si c'est ça la liberté, merci bien. J'y ai goûté, mais j'ai vite regretté. Tout seul, sans personne pour prendre soin de moi. Et ça a duré quand même une semaine. Ma maîtresse aussi était inquiète. Elle est revenue au même endroit le week-end suivant, dans l'espoir de me retrouver. Moi, j'espérais son retour. Dès que je l'ai vue, j'ai sauté sur elle. J'étais si heureux de la retrouver. Si j'avais su parler, je lui aurais dit « Pardon, je ne le ferai plus ». Mais elle m'a compris au travers de mes « miaou, miaou ». J'avais maigri, vous vous rendez compte? Une semaine sans manger. Bonjour Afid. Alors, je me suis bien rattrapée et j'ai été heureux de rentrer à la maison. La liberté, ce n'est pas pour moi. Un bon foyer vaut mille fois mieux. On reçoit de l'affection, de la nourriture, une litière et un bon panier pour dormir, sans compter mon ami fidèle. Et voilà, la petite histoire d'Otis est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que beaucoup d'enfants vont l'écouter. Voilà. Alors, je vous dis à demain. Demain, je vais vous raconter Pic Pic et le chien malicieux. Bonne journée à tous. Je vous embrasse.